si je t'épouse, je te donne un million. Mais qu'est-ce qui vous a fait le concessionnaire. Bien le bonsoir. Coucou, inspecteur Gadget. C'est monsieur Marcelo Bonelli. Bah, un million, allez, un million, je... Non, je plaisante. Oui, non, mais c'est ce que j'ai hésité, hein, mais bon, faut voir avec 22, quoi, faut trouver un arrangement. Ah ouais, ouais. Puis je l'épouse et je divorce et je partage. C'est bah ça, ouais, voilà. Vous partagez puis, tous les deux et vous divorcez. Bon, j'ai peur après. Pour ma vie, quoi. Bah, dire bon, soit... ça va trahir un homme, c'est jamais génial. Hein. Ah. Un million. Bah, John, tu fais les présentations, c'est ça? Ah, quand même. Josiane, enchantée. Vas-y. Bah, John, Charlie, John. Enchantée. Charlie, la chocolaterie. Tous exactement. Les jours, à chaque fois, je lui dis ça. Exactement. Bah, après, vous, c'est la chocolaterie. Il y en a, c'est où, Charlie. Moi, c'est la gâterie. Ouais, c'est plus ça, toi. La gâterie, ouais, ça marche aussi. Oui. Oh, l'inspecteur Gadget. Toutou. Oh là, qui voilà. Inspecteur Gadget. Bouge pas. Ah, mais Jojo, elle le sait pas, du coup. Ouais, attends, bouge pas. De quoi? Écoute. Ta sonnerie, c'est je sais. Hein. Ouais, oui, je le sais. Mais qui voilà, inspecteur Gadget. Il faut que je fasse une photo. C'est mon copatron, ça. Non, mais quoi, mais. Ah, je suis quand même le patron de l'auto-école, quoi. Ah, c'est vous? Ouais, c'est moi. Ah, d'accord. Ah, le copatron de. Le copatron avec Chosien. Il y avait. Qu'est-ce que t'as fait comme photo, toi, encore, Jojo? Ah non, Dante, il était juste ouais. Là pour remplacer. Oh, mais non, ça marche pas. Il était juste là pour remplacer John qui était parti une semaine. Ok. Tiens, bah, je te disais qu'on s'est ennuyé à la mort hier. J'étais avec Léo pour te dire en un peu plus de deux heures de temps, tout ce que j'ai fait, c'est réimprimer un permis. Hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais bon, c'est fou. La ville entre 17 et 19 heures, les urgences, c'est que je vous vois tous les trois pour vous donner le bilan sur la semaine qui vient de se dérouler, du coup. Inspecteur Gadget. Ok. Tu Toutou. Veux nous voir maintenant ou... Non, on peut le faire après. Quand moi, à 20h30, j'ai un rendez-vous pour un permis à moto, en cas où les loulous. Ok. Bah, dans deux minutes, quoi. Je vais vous donner les chiffres rapidement sur la semaine. Okay. Je peux vous laisser, il n'y a pas de... Mais non, tu ne me déranges pas. Non, tu ne déranges pas, on peut faire ça après. Okay. De toute façon, si tu essayes de me voler, je te mets à bourre-pif. Bah, non, ça va. Je n'essaierai pas de vous mais voler, madame. Mais t'es trop belle Jojo. Pour que je te tape. Je tape pas les belles demoiselles. Moi, je tape personne. Hein. Mais... Oui, toi, t'es moche. Ta gueule. Ah, j'adore mes employés. Bonne ambiance. Oh, cool. Ça fait plaisir. Ici, on est plutôt cool. Hein. Ouais. Inspecteur On va voir, Burger Shot là et la mascotte qui te traumatise. Allez, c'est parti. Et elle me traumatise. Léo pas, et Jojo, du coup. Vous pouvez me faire votre demande de paye. Vas-y, on y va. Ah, dis-moi, tiens. Ta demande de paye. Léo, dis-moi le chiffre précis. Jojo, 37 800. Ouais. Et Léo, 10 500. Ouais. Non, mais qui voilà, inspecteur 4. Au niveau du bilan, bah, elle est partie, je ferai le point avec Uzi après. Au niveau du bilan, alors, sur la semaine, on a dégagé 131 300. Donc, on est en positif. En entrée d'argent, on a fait 227 000. Et en sortie d'argent, donc tout ce qui est frais, Burger Shot, vos payes, etc., etc., on a 95 700. Donc c'est très bon, bien. Ça va. C'est très bien. Mais sur le mois, on n'est pas forcément très bon, puisque la semaine dernière, avant les impôts, on a Dante qui nous a pris quand même 149 500. Oui, donc, c'est lui qui nous a pris. Sur le mois, ça nous est en négatif. Sur les semaines, on est bon. Sachant que maintenant, il n'y aura plus de gros salaires, on devrait réussir à refermer la faille sur les semaines qui arrivent. Donc, l'auto-école oui, tourne très, très bien. C'est parfait. Ouais, du coup, tu veux pas lui parler de mon idée d'hier? Quelle idée? Je sais déjà plus. D'accord. Elle devait être très importante, ton idée. Ah non, il faut quand même la valider. Quoi. Ça à quelle heure pour aller au maire, déjà? Pour quoi? C'est 21h30, non? C'est 21h30, il me semble. Ouais.
Avec, ouais, moi j'irai si vous voulez venir avec moi. Ouais. T'as fait ton vote? Ouais, ouais, c'est fait. Monsieur Kazanski. Ouais, monsieur Kazanski. Kazanski. Ouais, pareil. Léo, tu m'envoies ta facture, s'il te plaît? Merde, ouais. Non, mais qui voilà, inspecteur Gadget. Ah. Ouais, bon, ça va, je suis content, l'auto-école tourne très très bien. C'est bien, on a réussi à tout remettre de fou. J'ai l'explication là, pour Igor machin. Ah alors? Ça date pas de la semaine dernière. Ça date de quand? De bien bien avant, et c'était un accord, tu te rappelles quand Dante s'est fait tirer les oreilles par le gouvernement? Ouais. Et ben cette personne faisait partie des personnes qui à qui il avait donné les permis. Ah, c'est pour ça, d'accord. Ouais, ben super, là, l'argent qui est parti tout seul dans le mur. Tu te rends compte de tout ce qu'on a perdu? Ah putain, tous les permis en plus. Mort. C'est le seum. Ça aurait été ma prime. Bon. Inspecteur Gadget. Oh, il a le cul plat. Tout plat. Inspecteur Gadget. À la Rivelina. Bah, Léo, il est cul tout plat, gars, son portable. Je vais appeler ma copine parce qu'elle est en retard de 2 minutes. Eh ben, elle n'est pas en ville. Génial. Pense-moi qu'elle a pris rendez-vous à 21h30. Je vais l'engueuler. Mais c'est avec mon cul. Voilà, comme ça, les payes, c'est réglé. Ah là là. Et puis la semaine prochaine, ça aurait déjà les impôts. Bah ça va vite hein. Ah oui, manger jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans là? Je peux pas avoir accès à mon stockage. Ah c'est parce que c'était dans nous, elle est dans le stockage. Est-ce plate, elle est dans le stockage. Ah non, c'est bon. Tu vois, vous avez encore fait des réserves à ce que je vois. Ah ouais, ils avaient mangé toutes les pizzas. Prends un bande de bouffeurs. Du coup, je vais essayer d'avoir un accord avec la pizzeria, mais j'attends une réponse de M. Bonelli qui gère la pizzeria. Il s'en est souvenu. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'est d'avoir un accord avec la pizzeria. Par contre, les sandwichs et tout, il va falloir les liquider. Hein. Les sandwichs au fromage et tout, il faut commencer à liquider les sandwichs, les coca, les machins. Ouais, toutes les merdes dans la commande. Après, manger les burgers. Parce que on a trop de trucs et les sneakers, les Twix et. Ouais, et en plus, ça. Parce que les burgers, les machins, faut pas les utiliser avant de prendre les petites merdes parce que, quitte à prendre un burger sur soi maximum, mais il faut vraiment enlever les sandwichs quand vous êtes à l'auto-école parce qu'on en a tellement que ça peut être possible. Ah, bah, te v'là, toi. Coucou. Coucou. Tu nous as ruiné à l'auto-école. Hein? Ta paye de psychopathe, là. Tu sais que sur le mois on n'est pas bon. Ça va et toi? Ça on n'est pas bon. Bah si je fais le calcul sur les semaines, sur cette semaine, on est très bon. Le taux école est en positif, mais dû à ta paye de la semaine dernière, le taux école est en négatif. Ah bon? Mais t'inquiète pas, hein, ça va se résorber avec les semaines. Hein, on a plus 130 et quelques. Hein, donc. Tu lui as dit pour le. Ouais. Oui. Ouais, il m'a raconté, oui. J'ai envie de te mettre une claque. Mais pourquoi? Bah, c'est de l'argent qui part en fumée. Bah, tous les permis, hein. Normalement, on avait un accord. Même s'ils n'ont toujours pas signé. Bah oui, mais ils veulent pas l'honorer, l'accord. Ils vont pas honorer les accords qui n'est pas encore passé. Non, mais ça va je arriver. Sais, parce que je dois baisser les prix avec le Sénat. Mais normalement, ils doivent les signer. On va les avoir. Non, mais justement, ils vont pas te payer des trucs qui sont passés dans le passé. Genre le mec Igor, ils vont pas te le payer, les permis, c'est comme ça. Ah ouais, ça, non, c'est sûr. Les permis pour rien. Bah, c'est sûr qu'ils vont pas vouloir te le payer. Déjà qu'ils sont en bénéficit, là, c'est ma copine du gouvernement qui me l'a dit. Ils sont déjà en déficit, alors c'est pas eux qui vont venir nous payer des trucs en plus. Hein. Il faut se rendre compte d'autres. Ouais, parce que quand ils sont... On les a vus au mécano, là.
la Speedy. Ils ont d'autres permis à faire passer et je leur ai dit que c'était plein pot. Bon, j'espère. Voilà, y a plus de... J'espère ouais, vraiment que les impôts. On n'avait pas les accords. Et... Normalement, par contre, on a les impôts, ils vont passer à 10. Oui, et on a une réduction de 35 000. Enfin, il faut qu'on fasse une réduction de 35 000 sur un permis. Je l'ai dit, ça. Je vais dans ma tête deux à minutes. Moi, hein. Non. Hein. Moi, tu ne me l'as pas dit à non, moi. Non, 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 j'avais dit à... Bah, il est dans sa tête, là. À John. Donc, en fait, il y a une personne qui va venir, un bûcheron. Tu connais son nom? Un poids lourd. Ouais, j'avais donné à John, mais là, je ne l'ai plus. Mais quand il va se pointer, il va dire qu'il vient de la part de M. Winter. En échange, il va nous filer des trucs. Et on lui fait une remise de 35 000 sur un permis poids lourd et un permis moto. Il y en a pour 80 000. Et 80 000, il faut en lui enlever 35 000. Ouais. Ok. On fait un permis groupé, quoi. Voilà, parce que je lui ai demandé un bateau, entre autres, pour pouvoir passer le permis bateau, parce que tant qu'on ne l'a pas, on n'a plus le droit de le faire passer. D'accord, ok. Et donc, normalement, on ne devrait pas avoir, nous, le brevet d'hélicoptère et le brevet d'avion. Voilà. Et moi, je leur ai rétorqué que comment est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse passer des brevets d'hélicoptère à la LSPD et aux EMS si nous-mêmes, on ne l'avait pas. C'est comment on peut l'enseigner si on ne l'a pas. Ouais, c'est logique. Je suis d'accord. Ben, quand je lui ai dit ça, ça lui a cloué le bec. Il ne m'a pas répondu. Ben, ma foi. Ben, ma foi. Il n'a plus le droit d'avoir les vitres teintées non plus sur la voiture. Ah ben, c'est pas grave, j'ai pas les vitres teintées. Bon, ben, tant mieux. Parce que moi, j'avais 4 voitures sur 7 de vitres teintées. Je les ai toutes ramenées au mécano. Parce que, en fait, ce matin, en fin de matinée, je suis tombé sur le commandant des LSPD. Garage qui venait faire réparer sa caisse. Et il a dit avec sa grosse voix, ceux qui ont des vitres teintées en paieront le prix. Alors, du coup, ben... Ouais, enfin, tu regardes, le gars du Bénis, c'est pareil, hein, il va pas vouloir le changer. De quoi? Bah, ses vitres. Faut que j'achète un stockage de plus. Ah, alors, figurez-vous que je peux avoir des prix sur les IFAC, sur les bandages et sur des radios éventuelles si ça vous intéresse. Et j'ai aussi discuté du prix des caisses de mécano, si vous en voulez, moins cher qu'en magasin. Oh, c'est pas mal, ça. C'est bien d'en avoir toujours en stock. Au moins 2 ou 3, c'est pas mal. Déjà, après, je prends la moto. J'espère juste que les impôts, ils vont rester, ça, à 10%. On va réussir à les bloquer à 10%. Il me l'a promis. Enfin, c'est pas parce qu'il te l'a promis qu'il va le faire. Hein. S'il ne le fait pas... Moi, je veux des accords signés. Voilà, ben non, mais il est en train de les préparer et il va nous transmettre, vous transmettre, du coup, une copie des accords signés. Tant qu'on ne les a pas, les accords, on ne fait rien. Le permis avec les 35 000 euros de réduction, qu'on n'a pas l'accord, tu diras au gars, niet. Par contre, il y en a un autre qui a pris rendez-vous qui s'appelle Billy Romano. Il bosse avec Monsieur Bonelli à la pizzeria. Il faudrait lui faire un petit prix sur son permis. Est-ce que c'est possible? Oui, bah oui, moi je suis toujours amené avec les Bonelli, moi. Ben ouais, justement, donc il bosse avec et c'est lui qui livre les pizzas. Ah bah justement, bah, j'aimerais bien avoir son patron. Rendez-vous. Et il a pris rendez-vous, il vous a laissé un message. Ah, c'est pas lui que t'as répondu? Si, si, c'est lui, si, si. Ah, voilà. Je lui avais mis une disponibilité ce soir à 21h, sauf qu'au final, il dit que lui, il peut pas, donc ce sera demain. T'as bien fait. Excusez-moi, je suis en train de manger une glace. Ah, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Inspecteur Gadget. Bon, par contre, la miss, là, elle m'agace. Bon, c'est pour quand le mariage avec 22? Oh, vous me merdez tous avec les mariages. Ah, parce que pourquoi? C'est plus d'actualité avec 22? Mais si, mais il y en a un deuxième qui veut me payer pour que je l'épouse. Oui, ça, je sais. Mais tout le monde veut me marier. J'attends. Bah, déjà, laisse-moi déjà avoir un appartement avec lui, non? Ben moi, je vais faire la demande pour me prendre en location un appartement pas très loin. Tu devais pas aller dans le nord, toi? Si, mais demain, j'ai le concours des EMS à passer. Oh, un concours, carrément. Pardon, monsieur. Tu veux voir? Comme ça, tu veux voir.
Bah, accroche-toi, je vais te montrer. T'es prête? Ouais. Merde, non, ça n'a pas marché. Oh, la déception. T'as peut-être pas les skiffos, les autorisations et tout. Du coup, Lina, elle passe ce soir, Jean-Jean. Bah, normalement, il était censé passer à 20h30. Il est 20h40. Bon. Moi, j'aime pas les gens en retard. Toujours les gens. J'adore les gens en retard. Ouais, mais au gouvernement, elle a peut-être un peu de retard. Bah, non, mais elle me répond pas tout court. Voilà. Ni par message. Trois, ni... Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme ça d'un coup. Attends, je vais te mettre du poids. Bouge pas. 6, 7, allez, allez. 8, 9, allez, soulève la grosse 10. Jojo. Ah, bah, non. 2, 3. Ah bah tiens, 4, il y a quelqu'un qui arrive. 5, bah dis. Allez, allez, non, oh, allez, oh, oh. Allez. Montre pas tes efforts, allez. Ah la vache. Attends, plus, elle il va être prêt là, il va être prêt là. Ah ouais. Allez, on va te préparer. Nous. C'est parfait. Bon, j'allais voir qui c'est là devant. Ouf. Je vais gueuler un coup parce que tu te pagues. Ah bah oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, tiens? Bonjour, ce serait pour savoir si c'était possible de passer le permis moto. Oh, moto, excusez-nous, le gang. Qui va s'en occuper? Qui se porte volontaire? Vas-y, Léo. Ah, allez. Léo. Allez, Léo, montre-nous ton savoir-faire. Allez, allez. John, donne-lui le nouveau casque que je t'ai mis. Oui, t'oublie pas, Léo, de prendre les casques. Hein. Ah ouais, 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 t'inquiète. Jojo? Oui. C'est le prix. Je vous ai mis un casque très rigolo. Ah, rose, je suppose. Non. Non, non, c'est un casque avec des pics. Ah ouais? Un casque à pas. Il est où? Attends, il y a Léo qui va en avoir besoin. Ah, d'accord. Alors, c'est John Del Perro. Ah, ça m'énerve, les gens, ils s'appellent tous John ici. Ouais, c'est chiant. Donc, t'as toujours accès au stockage? Ouais. Est-ce que tu peux te servir en sandwich, en, tu sais, les petites merdes qui traînent là? Pas les burgers. Sandwich, Twix, etc. etc. Attends, ça me saoule. Pourquoi j'ai plus accès? Ah, si. Si t'as besoin de bouffe, genre les petits sandwichs, les Twix, les machins. Parce qu'on a tellement de trucs qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Ça va pourrir. Ah oui, ça va pourrir. Ah ouais, ça. Non, ça pourrit pas. Ça. Si, ça va pourrir. Ah non, ils ont changé le truc. Quel truc? Bah, ta bouffe, ça pourrit. Hein. Bah, non, justement, celle-là, non. Oui, mais elle va pourrir. Ah ouais, mais je vais pas vous enlever les sneakers. T'aimes pas ça? Non, tu peux, vas-y. Ah, mais quand même. Ouais. Tu veux une bière, Chojo? Non, ça ira, merci. Je bois pas en travail. Oh là là, t'as des peluches roses, hein, j'y crois pas. Fous ma paix, mes peluches. On a même une figurine. Ouais, je sais, je les ai eu dans le truc joué. Ah, tu sais que celui que tu m'as donné, j'ai pas eu de jouer dedans. Bah, t'as parce que t'as pas de chance. Inspecteur Gadget, il n'y a pas eu le droit. Ah, putain, bois pas, fume pas. Et je ne fais pas l'amour. Pas encore. Bah, ça, je veux pas savoir, ça. Oh, la voiture! Oh, la voiture pour se faire arrêter! Oh, la voiture de Kekos! Viens, on va regarder leur casque. Il y en a un des deux qui aurait un casque ridicule. Ah ouais, je vais me foutre de sa gueule. Pour qu'il pique. Je vais leur mettre mon casque rose. Ah mais je pouvais toujours parler. Oh, hein. Mais non. C'est pas le bon casque, hein. Qu'est-ce que c'est là non plus. Il fait des blagues. Bah, John, donne-lui son casque, hein. Je suis pas sûr qu'il a chuchu. Moi, j'ai un casque, si vous voulez. Non, mais c'est pour femme, ça. Il n'y a pas de casque. Moi, du coup, je... Bah, je vais donner le casque à monsieur. Oh, mon Dieu. Oui, lui, c'est pas grave, c'est un moniteur. Il est payé pour se faire mal. Merci. Par contre, oui, je te disais, les sandwichs fromage, tout ça, tu les gardes, ceux-là? Non, tu peux les prendre, les sandwichs fromage. T'aimes pas les sandwichs? Mais non, mais tu prends pas tout, mais tu peux prendre la moitié, quoi. Comme ça, t'es tranquille. Il va quand même aller voir s'il y en a plein. Parce que... Ah là là, mais tu. Il faut pas que tu ailles comme ça. Ah, il a la classe. Ah, il a la classe, porc épique. Ah, il est top, Moumout. Oh là là, le porc épique. Oh, le porc épique.
Ah, oh, il est là. Pas cool, moi, oh, pas la honte. Oh, la honte. C'est comme ta voiture, elle est bien moche. Je ne dirai rien. Oui, c'est ça. Ouais. Roulez jeunesse. Ouais. Ah, ah ouais, je crois que Léo, il va pas avoir de casque, en fait. T'as le tien sur toi, Jojo? Bah, j'en ai, mais c'est pour femme. J'sais bah, tant si pis, prête-lui, il se débrouille. Ouais, ils sont où, les autres casques? Moi, Jojo, on dirait des agents secrets, quoi. À fond. Hein, ils sont où, les... Attends, marche côte à côte. Mais je sais pas où ils sont, les autres casques. Ah oui, non, il te va pas. Là. Marche par là, côte à côte. Je crois que t'as remis l'autre. Non, je l'ai remis dans... Ah bah, rends mon casque parce qu'il marche pas. Eh bah, tu le suis en voiture. Ouais, t'es obligé de le suivre en voiture. Et sur la radio, le 13, pour que vous parliez. Merci! Qui c'est ça? Bon, je vais vous suivre en voiture. Ah bah c'est toi, je me demandais qui c'était qui est arrivé. Ah ouais, c'est moi. Oh chef. Inspecteur Gantiek. Regarde-moi ça, les agents secrets. Là. Ah bah, bon. Mon casque est aussi comme eux. Bah non, mon casque est bien. Moi, ouais, j'ai mes lunettes qui dépassent. Il y avait trois casques noirs, ils sont pas si... Bah ouais, c'est ça la question. Je vais en remettre, hein, mais... Ouais, c'est parce que... Ouais, bah je les ai même plus, en fait. Inspecteur Gadget. J'en ai marre de l'avoir dans la tête. Ouais, j'ai plus. Inspecteur Gadget. Tiens, ma tenue pour demain soir. C'est quoi cette tenue? Elle est horrible, cette tenue. C'est mon survêt? Bah, c'est horrible, ton survêt. Bah, t'as qu'à venir m'aider à en choisir. Hein. Non, merci, je suis pas ta nounou. Mais ça ira très bien pour faire tes exercices. Ça fait trop de chouin. J'adore celui-là. C'est pour ma petite moto. Ouais, la, ta petite, c'est pas une petite moto que t'as. Hein. Par contre, je crois qu'ils arrivent pas à faire le permis hein, parce qu'ils sont en train de galérer depuis tout à l'heure. Hein. Ah, Dante, t'as trop de classe. C'est bon, ils partent. Ça y est. Il est horrible comme ça. Avec ma moto. Mm-hmm. Bon, ça, je suis pas horrible. T'es horrible. Ah, mais t'es méchante avec moi ce soir. Je sais pas, j'ai envie de te taquiner. Grrr. Avant que tu nous quittes, alors... là. Voilà. Oui, c'est parce que tu t'en vas bientôt. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le casque. Non, c'est pas là. Je vais enlever le casque, je vais te le passer, tu le mets dans ton inventaire. Tu sais que tu peux le mettre dans l'inventaire tout seul. Ouais, je sais, mais comme je vais rester là pour reprendre plusieurs fois. Ah ouais. Chapeau. Okay. Donc, ah, on en revient là. Que là, je vais peut-être pouvoir le reproduire. Est-ce que je peux le reproduire? Non, là, je ne l'ai pas là. Hein. Saleté. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et merde, pourquoi je ne le retrouve pas? Alors, moto, ah oui, moto course. Voilà. Donc, combien il t'en faut? Bah, mais en trois. Hein. Jamais s'il y en a un qui le garde sur lui. Ouais, c'est ça. Tac. Ok. Ça me fait tout drôle de partir ce soir. Tu sais que ça me fait mal. Hein. Ouais, bah, je me doute, mais bon. Ça fait des semaines hein, déjà qu'on a réussi à te retenir. Je pense qu'on peut pas te retenir plus longtemps. Bah... Inspecteur Gadget. Oui. Il y a encore aussi qui est pas là ce soir. Hein. Oh, lui, ça va. Il m'a dit qu'il après, le dimanche, on bosse pas de base. Donc... Alors, ah, mais le... oui, je suis d'accord. Mais bon. Tiens. La semaine prochaine, ça va chauffer pour lui. Merde. Bah, pourquoi je l'ai donné? Non, je l'ai donné ou je l'ai pas donné?
Ah non, tu m'as rien donné. Ah merde, alors pourquoi ça me l'a remis sur la tête? Tu m'as pas donné mon salaire, espèce de filou. Bah si, normalement si. Bah je l'ai pas reçu. Bon, c'est bizarre. Pas que je te le passe. Personnel invoice. Tu es prête? José Anarous, 37 800, ouais si. Payé le à 20h30. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Approche. Et aussi, il y a eu le même problème tout à l'heure. Alors, tiens, le premier, le voilà. Le deuxième. Et le troisième. Parfait. Voilà, monsieur. Je te remercie. De rien. Évite de les acheter. Voilà, on va se mettre en tenue de ville. Ça te plaît comme ça? Hein, Jojo? Oui. Ça te plaît comme ça? Ah oui, tu es beau comme ça. Ça te va bien. Ouais. Tu as vu mon guardian ou pas? Ouais, ton truc, ton gros machin à balèze. Ah ouais. T'es fier. Hein. Ah bah celui-là, oui, un peu, ouais. Je sais pas, je te verrais bien dedans. Non. Pas du bon. Tout. Ben, pourquoi tu me passes ton téléphone cassé? J'en ai pas besoin, toi, je sais que tu vas le revendre. Ah. je revends tout et n'importe quoi. Enfin, ça va me manquer. Qu'est-ce qui va te manquer? Eh ben vous. Mais tu vas venir souvent. Ah ouais. Je vais essayer. Ah oui, je t'ai oublié. La maison ici. Depuis la dernière fois. Bouge pas. Laisse-moi bien. Mais. Non mais bouge pas, faut bien que je vise le nez. Ah non, non, tu vas me faire mal. Ah, c'est un peu le but d'un bourre-pif, hein. Ah bah non. On va voir si tu sais te soigner tout seul. Ah, je suis pas encore au MS. Il est pas marrant comme mec. Il veut même pas un bon bourre-pif. Arrête ou je pète. Il me cherche, hein. Si je te cherchais, je t'aurais tiré les cheveux. Bon alors là. Méfie-toi, elle est plus grande que toi. Bah alors là, mon coco. On va te mettre un coup de tête. Avec tes mocassins qui puent là. Non mais franchement, t'as vu ça? Quoi que t'as vu ça? De toute façon, t'es plus employé ici, tu peux rien dire. Je chope les cheveux. Pousse-toi, John. Voilà. Ah bah dans deux minutes, la police, elle arrive. Mérité, il n'y a qu'à pas me tirer les cheveux. Là, tu le vois pas, mais je te tire la langue. Oh, Joanie, je vais te massacrer. Oh là là. Oh, ah, il cherche les embrouilles. Descends de ma carte. Ah, il va dans le fauteuil aussi, il a fait des choses. Ah, Berk, j'ai mis mes chaussures dehors. Ah, Berk. Mais là, c'est mon bouclier humain. Mais lâche. Tu sortiras pas. Ok. Je lève les mains, au secours. Ah, mais c'est pas vrai, mais en plus, elle te tient d'une main ferme. Qu'est-ce que j'en fais? Je le mets dans le vide. Je vais le mettre dans les poubelles. Mais. Non, je peux même pas passer les portes. Va l'accrocher au bureau là-bas. Je peux pas. Ah ouais, j'avoue, je vais l'enfermer. Ah non. Ah si. Tu peux rien faire. Ah si si. Au secours. Au secours. Jo, arrête. Tu me fais peur. Tu vas le dire à 22. Je m'en fous. Allez, vas-y. Alors là, si tu savais à quel point je m'en fous. Voilà. Ferme la porte. Voilà. Créature sauvage. Allez, hop. Laisse-moi sortir. Allez, sors, la créature, le lion. Ah non, tu me fais peur. Après, on va dire que j'enferme les gens. Non, mais oh, mais petit fada, elle aurait pu s'en prendre à moi. Comment ça, j'aurais pu t'en prendre? Ah, bah attends, si je croyais pas partir sans qu'on t'embête un petit peu quand même. Bah, ah, non, tu crois quoi? M'enfermer avec toi. Bah, t'aimes pas être enfermé avec moi, c'est depuis le temps que tu me draguais, en plus, pour une fois que t'es avec moi sur la salle. Moi, te draguer? Bah, t'es vraiment un menteur. Ouais. Tout à fait.
Le roi des menteurs, on l'a trouvé. Non, mais bon, s'il y a eu la moindre chance, voilà. Mais bon, comme il n'y avait pas de chance. Oh, voilà, c'est sûr. Hein. Surtout avec mes employés. Mais je ne suis plus ton employé, justement. Ah ah. C'est pas faux, t'as raison. Mais. Je te pète un coup de boule. Là, tu m'as fait peur. Il prend un otage, il prend un otage. Mais c'est abominable. Au secours, au secours. Oh, au secours. Au secours. Au secours. Ah, je t'embête. On fait du cinéma. Ouais, c'est vrai. Je vais revenir en EMS et je vous ferai des piqûres dans les fesses. J'en ai rien à foutre. J'adore qu'on me pique les fesses. Ah merde. Comme une petite abeille. Bzz, bzz, bzz. Bzz, 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 bzz. Je croyais que ça s'était arrangé. Il va qu'à réussir à se piquer tout seul et à finir à l'hôpital. Mais c'est juste qu'en close, c'est toujours la feu et la glace, tu sais. Pourquoi ? Parce qu'il court encore après. Comment elle s'appelle ? Lara Croft ? Oui, c'est ça. Oui, mais il court toujours après les autres femmes, pire que moi. Oh là là. Enfin, moi, je suis fidèle, hein, voyons. Hein ? Hein ? Pardon ? T'es sûr ? Hein ? Moi, je suis très fidèle. Ah, c'est vrai. Bah ouais, je trouve fidèle, moi. Ouais, fidèle à son poste. Oui, c'est ça, surtout. Bon, les enfants, c'est pas que je m'ennuie, mais... Si ça se trouve, j'ai peut-être raté l'examen demain. Bah, chais, comme ça, tu resteras avec nous. Bah, si je le rate, après, il me reste le bureau du shérif dans le nord. Wow, tu vas te faire chier, là, aussi loin. Oui, des gens qui se garent sur mon parking, je vais péter un plomb. Ah, mais c'est le Léo, mais pourquoi il se garde là-bas, ça vous dit ? Cette personne là, monsieur, pull rouge là, petit chaperon rouge là, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, je suis ici sur le. Vous êtes sur un bâtiment de l'administration, hein? Qu'est-ce que vous faites là? Non, je réfléchis. Vous réfléchissez là tout seul comme un glandu. Moi aussi je vais réfléchir. Ah, me casser la gueule moi. Mais c'est pas possible, mais j'ai du peur sur les. Voilà. Pourquoi vous êtes là tout seul? Parce que je suis à la recherche d'une personne. Ah, dites-nous tout. À la recherche de qui? Mais qu'est-ce qu'il fait dedans sur le toit? Oh là là. Vous cherchez qui? Lucia Cuevas. Jack Cuevas. Lucia. L-U-C-I-A. Lucia. Lucia. C'est qui? Cuevas. Ah, mais c'est 69. Voilà. Lucia, c'est 69. Vous avez une sœur, vous? Ah, bah, elle a la police. La vous police. Comment? Bah oui, elle a travaillé à la police, votre sœur, du coup. Moi, c'est Emilio. Emilio. Oui, c'est ça. D'accord, bah attendez, je vais appeler la police. Bon, bah, il n'y a personne qui travaille. Bah, allez au poste de police, vous savez où c'est ? Hé, Dante ? Alors, John, tu m'en peux rejoindre ? Qu'est-ce que tu fais là en haut ? Je boude, voilà. Oh non ! Si, je boude. Oh, voilà. Hop, moi je saute. Bon, malheureusement. Malheureusement, derrière, mais... Ah, on est bien là. Ça pourrait être bien, on est bien. Ouais, après, Et c'est qui ce mec là-bas alors? Bah, c'est un mec qui cherche Lucia Cuevas, je sais pas quoi.
Tu veux que j'appelle Speedy? Non, bah justement, c'est sa sœur en fait qui cherche. Elle travaillait avant, elle est Speedy, c'était 69. C'est ce que Jojo l'a dit. Ah, c'est idiot, mais ça me fait rire. On se demande pourquoi. Oui, on se demande pourquoi. Vous avez la belle chevelure. Descendez de mon toit. Descends. Allez, descendez. J'ai besoin de toi en plus, John. Bon. Monsieur le directeur, on se tient au jus. Ouais, t'hésites pas à repasser quand tu veux. Ici, c'est ta maison, je te rappelle. Après moi. Ah, oh, c'est trop gentil. Arrête, tu vas me faire pleurer. Mais non. Bon, aïe. Bon, bah, je vous laisse. John. Oui, bisous, oui. Dante. Fais bonne route. Hein. Ouais, bisous. Oui, ouais, dis-moi tout. Monsieur a besoin de refaire ses papiers. Et j'ai pas pris mon poste encore. Est-ce que tu peux t'en occuper? Faut juste refaire sa carte. J'ai pas pris mon poste non plus. Mais je vais faire. Ah, bon, bah, je vais le prendre. Ah, bah. Ah, parfait. Alors là. Je vais voir si tout se passe bien avec. Ouais, Léo, parce, là, que parce que je crois qu'il a garé la voiture, je sais pas où. Est-ce que je peux avoir. Alors, tout s'est bien passé? Parfait, écoutez. C'est pas de souci en route, tout s'est bien passé? Non. Enfin, un petit souci, si. Pas pour moi, mais. Ah! C'est pas facile à travers le capot. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec avec une Ferrari qui m'a rentré dans le cul. Avec une Ferrari? Elle était comment? Cabriolet. D'accord. Un citoyen? Oui, un citoyen. Tu peux venir voir là, s'il te plaît? Vas-y, mets-toi au volant et dis-moi si ça va mieux. Il faut qu'il te donne les clés pour ça, pour que ça aille mieux. Non. Si. Rentre dedans. Si. Vas-y. Non, y a ouais, il faut qu'il te donne les clés pour que ça fonctionne. Ah. Attends, je monte à côté, tu me passes les clés. Bon, du coup, vous avez votre permis. Oui, c'est tout. Voilà. Ok. Discutez juste un petit peu. Mais je vais vous laisser. Hein, puis, vas-y. Bonne soirée. Ah ouais, une bonne soirée. Et puis faites attention sur les routes quand même. Ouais, ça ouais on risque de se voir à la mairie. Il y a de grandes chances. Vas-y, passe-moi ta clé. Mais faut regarder parce qu'il faut pas se garer n'importe où et j'ai pas trop compris. Tu peux descendre, je vais me mettre au volant. Je vais voir ça. Léo, tu peux ranger la moto et bah après la voiture du coup. Bon, en tout cas, bonne soirée messieurs. Bah, une bonne soirée à vous. Faites attention. Et au fait, faites attention les vitres teintées. Vous risquez d'avoir des problèmes. Ah, bah, j'ai aussi les phares bleus. Ça peut aussi poser problème. Bah, il faudrait s'enseigner, mais nous, on a tout juste appris que les fenêtres teintées comme ça, noir, ça posait problème. Ah merde. Bon bah. Alors, je vous avoue que je suis un peu en désaccord hein, parce que c'est pas écrit sur le code pénal, mais bon. Oui, tant que le pare-brise, on voit, c'est bon. J'en vois quand même à travers. Hein. C'est plus teinté extérieur qu'intérieur. Ouais. Après, je veux dire personnellement, vite teinté, je valide. Hein. Faire une voiture avec les vitres teintées, je sais pas, ça donne. Ah bah voilà. Bah, je préfère. Forcément, j'ai perdu un truc à essayer avec le capot fermé. Ah oui. Et t'avais pas les clés, donc ça marchait pas. Voilà, donc j'ai perdu un kit pour rien. Ah bravo. Un petit coup à droite. Alors, on va attendre que la fumée se dissipe. On y est presque. Allez, pousse-toi. Voilà. Ça, c'est la voiture. Et ben voilà. Ah, tu vois, t'as retrouvé tes talents de mécano. Ah, bah ben ouais. J'aurais qu'est-ce bossé au Bénise. Bon, je vais dire à Léo de la ranger du coup. Oui, il a mis. Mais je viens de lui réparer sa caisse. Léo, je peux aller ranger la voiture. Ouais, ça marche. Bon, bah, allez, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée, attention sur les routes. Caliné. Bon, allez, réparer ta caisse. Merci Dante. Bah de rien, moi je suis pas venu pour rien là. Tu m'étonnes. T'es venu pour prendre un bourre-pif. Oui. Si vous pouvez essayer de m'appeler, voir si mon téléphone il bug pas, excusez-moi. Un gros poutou et puis je vais vous laisser. Ouais, bah bisous. Hein. Entre bien, ça fait 3 fois que tu nous le dis. J'ai eu mal à partir. Ouais, c'est nickel. Et attends, je vais réessayer de t'appeler, voir si ça bug.
Elle veut la musique en tête. Et là, est-ce que ça est un numéro privé ou c'est normal? Non, il est normal. Ok, bah c'est bon. Il fait la tête. Goku, fais pas la tête, Goku. Ah, fais pas la tête, hein. Goku. Mon Goku. Goku, fais pas la tête. Fais pas la tête, Goku. Je suis en train de me soigner. Bah dis. Non, mais... Bah quoi, Goku? Regarde, il y a ta maison, là. T'es méchante. C'est parce que tu vas me manquer. Mais je quitte pas le pays. Oui, mais tu pars loin, tu pars dans le nord. Ah, parce qu'il faut quand même que je bosse un peu pour gagner des sous. Bah non, tu pouvais bosser ici. Hein. Pas en intérim. Inspecteur Gadget. Ouais, bah, merci le salaire que tu t'es fait. Hein. Ouais, heureusement que j'ai bloqué les compteurs maintenant. Tu m'étonnes, il n'y a plus de... Fini les salaires à plus de 140 000. Ah, c'est fini. Bon bah mon petit Dante, attention à toi, n'hésite pas à repasser quand tu veux. T'inquiète. Oh Elina, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Bah je sais pas, elle est pas encore là, et bah tant pis pour elle, elle aura pas son rendez-vous et puis c'est tout hein. Elle se débrouille. Qu'est-ce que c'est elle qui voulait rouler en moto? Non, c'est Goku qui fait le kikios. Oh là là. Allez, conduis comme un fou. De toute façon, on te laisse pas passer. Tu pourras pas passer. Reste là. Non, tu bougeras pas. Je fais barrière avec mon corps de déesse. Non, 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 non. En fout, tu passeras pas. Non. Ah bah, je t'emmène avec moi. Non, repasse-moi. Ah, je t'enlève. Je t'enlève. Au secours. Jojo! Jojo! Viens là, Jojo! Relâche Jojo tout de suite! Oh là là! Ah, il n'y a pas, il m'a fait peur. Allez, on court. Je suis sûr il va venir tous les deux jours, tu vas voir. Ouais, c'est sûr. Pour lui manquer. Ah, oh, j'ai oublié de prendre le nom du mec pour les 500 balles. Bon, c'est pas grave. Milio, je sais plus comment. Faut que je note quelque part. Milio, bah du coup, il y a le nom de sa sœur là, de 69. Ouais, Cuevas. Ouais. Faut que je le note quelque part. Ouais, ça tu me l'enverras ce soir. Ouais, au pire. Mais c'est quoi ça? C'est ton casque. Mais tu peux le mettre dans le stockage. Ah, c'est pas... Ah, je croyais que c'était ton casque. Est-ce que j'ai une tête à me promener avec des pics? Je sais pas. Jamais. Mais qui voilà, inspecteur Gadget. Bon, moi, je vais aller à la mairie en tant qu'affaire. À quelle heure? Bah, ça à 30, mais je vais y aller parce que je m'ennuie. Bah, allez, bah, on y va. Allez, on y va. Moi, je prends la moto de l'auto-école. Je sais pas si vous voulez prendre une moto ou quoi. Ah bah tiens. Et oh, je vais te tuer. Hein. Ah bah, Léo sort une voiture. Je suis pas en service, donc je peux pas sortir le véhicule. Regarde. Inspecteur Gadget. Ah oui, mais tu peux pas le ranger aux EMS, ce véhicule. Si, je peux. Ah non, mais c'est pas grave, on s'en fout, même si on se les fait prendre, c'est pas grave.
pas le point. C'est la mairie. Rouge. Oh, ça sent un contrôle pour Jojo. Reste assez loin derrière. Elle va passer tout droit, elle veut laisser skier. Vas-y, celui-là, celui-là. Un klaxon tout nul qu'on a. On a un klaxon nul. Le mariage. Elle va nous faire un accident, elle. Elle va nous faire un accident. Ah ouais, fallait tourner. Elle fait vraiment n'importe quoi. Garer le véhicule. Je suis, ça va le faire. Juste pas se garer devant la mairie, quoi. Hop, flashé. Non. Je la suis, quoi, je peux du coup. On n'a pas le droit de se garer là. Jojo, on n'a pas le droit de se garer là. On n'a pas le droit de se garer là. Annonce gouvernementale. Elle fume. Là non plus, je pense. C'est bon. Peut-être pas devant la police, mais toi juste derrière Jojo. T'as bousillé la moto. C'est pas vrai. C'est pas grave, c'est une voiture d'auto-école, c'est une moto. On s'en fout. Inspecteur Gadget, on va attendre longtemps. Oh, oh. La police est de sortie, la la la. Ah là, il y a les poulets. Regarde, il y a du monde qui se rassemble ici. C'est bien, on va pouvoir embêter du monde. Ouais, j'adore. C'est mon truc préféré dans la vie. Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget. Oh là là. Inspecteur Gadget. Qu'il y a de la musique. Moi. Ça va et toi? Vous entendez de la musique? Non, y a... non, on n'entend pas de musique. Ah, bon, je vais faire un pipi, hein? Ouais. Vous allez bien? Ah, j'entends toujours cette musique, c'est horrible. Ah bah c'est bon. C'est quoi la musique? Je sais pas, c'est une musique bizarre. Tu l'as un peu japonais. Style jeu vidéo des années 80? Ouais, c'est ça. C'est bon, on a eu le même problème tout à l'heure avec le gouverneur adjoint. Ah bah là, ça y est, elle s'est éteinte du coup. Dans 3 minutes, ça va revenir. Oh non!
c'est une sonnerie de téléphone. Oh le truc relou. C'est pour voir la salle en global. Ouais, sinon, comment vous allez? D'accord, 69-15, laquelle veut fatigué. Bon, avec le garde du corps. Mais bon, j'allais pas rater ça. Ah ouais, quand même. Et puis la ville a besoin de son meilleur mécano, quoi, donc... Oui. Et bah, 69, bah, étant donné qu'il y a de fortes chances que mon collègue parte... Ah bon? Je vais devenir le seul mécanicien. Pourquoi il veut partir? Il veut voir d'autres horizons, il veut partir pour le gouvernement. Sexy. Il veut devenir garde du corps. Ah bah pourquoi pas. Bonsoir. Il veut devenir garde du corps. Vous mettez une paire de claques. Clac, 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 clac. Ah oui. Il y a quand même pas mal de voitures de police, non? Ouais, bah ouais, du coup. Même nous, en tant que mécanicien, on a dû ranger nos dépanneuses dans l'hôpital. Et bonsoir. Bonsoir, monsieur Campos. Bonsoir. Vous allez bien? Ah, re et puis re-bonsoir pour vous. Hein. Ouais, c'est 17. Bah, bonsoir. Les choses, ça ne me revient plus. Bon. Alors, comment vous sentez tout ça, monsieur Campos? Oh, bah écoutez, on verra bien. Vous savez que vous allez sur le balcon. C'est pas grave, vous savez. Hein. Réellement. 07, vous serez. Oui, oui. Dans le hall principal. Chacun ses choix. Okay. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je lui dis, moi, je suis sincère, moi. Comme ça, moi c'est pas parce que je le trouve sexy que je dois voter pour lui. Hein. Ah, mais totalement. Moi j'ai voté pour Josiane. Donc, c'est les lunettes, c'est pour ça. Mais on peut pas voter pour Josiane. Mais non, j'ai pas voulu prendre. Bah, si, bah si, 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 regardez, vote blanc. C'est vrai, les cheveux blancs. Les cheveux blancs aussi. Ah, hein. Voilà. C'est ça, votez moi. Je rigole si tout le monde a mis vote blanc. Josiane, allez. Allez, c'est Josiane. Moi j'espère que je vais me faire palper par des beaux messieurs. Oh là, je joue. C'est là, donc. Ouais. Vous me palpez comme monsieur Campos, vous allez palper les gens? Je vais vous palper quand vous voulez. Oula. Oula. Eh, excusez-moi, elle m'a tendu la perche. Hein. Oh. Oui, non, mais j'avoue, je vous cherche. Voilà. Hein. Vous avez raison. Voilà, voilà. Qui échauffe le feu, n'étonne pas que ça brûle le cul. Hein. Ah, carrément, d'accord. Ouais, carrément. Ok. Ah, finesse. Inspecteur Gadget. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à l'inspecteur Gadget? Ouais, ou Columbo peut-être. Oh, monsieur Hercule Poirot. Ah ouais, carrément Hercule Alors, Poirot. Il faut savoir réellement qu'Inspecteur Gadget était copié sur Hercule Poirot, la tenue. Non, tu crois? Oui. Bravo, génie. Presque pas. Il s'est informé. Ouais, je sais. Bonsoir messieurs, votez pour Tom. Pardon. Oula, oula. Ça va Tom? Excusez-moi, les votes sont presque finis, mais voilà, votez pour lui. Ou pour monsieur Campos, hein, que je soutiens, bien sûr. Peu importe le résultat. Campos, monsieur Kazanski, les deux, dans mon... Dans votre bureau? Okay. Alors, ouais, dans mon bureau à l'intécole. Pour que ça arrive, fallait dire lui. J'allais dire mon lit, mais... Ouais, pour que ça arrive, voilà. Fallait dire ça. Bah, oui, vous allez faire rougir monsieur Kazanski. Bah, il est déjà tout blanc, ça se voit vite fait. Hein. Je vous avoue, je me sens un petit peu flagada. Ça doit être le stress de toute cette campagne, de cette énorme campagne qui a duré tellement longtemps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle n'a pas duré une semaine. Elle n'a pas duré deux jours, oui. Bon, je dis rien. Voilà. En plus, j'ai chopé un billet d'avion de dernière minute. Je vous raconte pas. Et puis en plus, j'ai faim, j'ai soif. Vous me mettez la main aux fesses? Mais non, je ne me mets pas aux fesses, je prépare quelque chose. Alors, c'est pour vous souhaiter la bonne chance. Oui, oui. Alors, non, je mais crois pas qu'on... vous, monsieur Cazan. Ah, pardon. Monsieur Campos. Allez, non, mais votez vous monsieur aussi, Campos. Vous il reste quelques minutes chance. Pour le vote. Bonne chance. Merci. Alors, ça, moi, j'ai pas eu ça. Mais venez, mais je vais vous en faire un aussi. Paniquez pas. Alex, j'ai gagné la figurine. Ouais, bien. Attends. Allez, bonne chance. Oh, oui. arrête. Je t'aime. Tu vas nous le faire tomber, Jojo, là. Oh là, voilà, je sens que mon palpitant, il est à 160. Attendez, Jojo, il va nous faire une attaque cardiaque. Voilà, ah, mais t'auras gagné d'office. Je vais le faire crever, je vais le faire crever. Viens là. Je préfère mourir comme ça que tout seul dans mon lit. Je sais pas si c'est adapté, mais au cas où, j'ai des kits de premier secours pour animaux de compagnie. Mon petit hamster. Bah, c'est toujours la ça. De,
Non, je vais pas le dire. Ah, mais... bref, moi je vais y aller. On a compris. Ma chatte va très bien. Moi, c'est ma femme qui s'en occupe. J'adore la chatte de ma femme. Bah, lui, il est plié en quatre, lui. Ouais, mais c'est bon, laissez-moi tranquille. En fait, elle m'a quitté en fait. Ah, il a quoi ? Cinq pièces. C'est à votre chatte ? Elle m'a quitté, ma chatte. Ma femme. Oh, mais comment vous parlez de votre femme, le reste. Ah ouais. Non, mais la chatte et ma femme ont. Mais de toute façon. Les deux, ils sont partis en France avec il, un. Il est prêtre, donc il a plus de femme. Bah, j'ai plus de femme. Je suis célibataire forcé. N'est-ce pas ? Bah, forcé, c'est vous qui l'avez choisi, vous savez. Hein. Bah, non, c'est pas vraiment moi. En fait, elle s'est barrée. Elle s'est barrée avec le professeur de français, là, un bouffeur de Ah, d'ailleurs, il faut que je dise un truc à Madame 69. Attendez, j'arrive. Incroyable. Alors, on m'a donné un number. Bonjour. Madame 69, votre comment on appelle ça ? Votre nom de famille, c'est Cuevas, c'est ça ? Oui, pourquoi ? Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui dit qu'il est votre frère, il s'appelle Emilio. Il vous cherche apparemment. Vous allez pouvoir rentrer à votre bon, est-ce qu'on pourra en discuter plus tard, vu que là je suis en service, donc vu que c'est un peu privé. Bah, c'est comme vous voulez, hein. C'est parce qu'apparemment c'est très urgent, donc je voulais juste vous prévenir. Hein. Mais d'accord, merci, c'est gentil de m'avoir prévenu. Je suis étonnée de savoir qu'il est là. Bah oui, je sais pas, apparemment il vous cherche toujours. Bon, bref, c'est privé, on en parlera plus tard. Merci. Oui, bah j'aurai le gouvernement pour m'aider, c'est l'avantage. Monsieur Kazinski, talalalala, tata. J'ai chopé au dernier moment un vol de dernière minute. Je devais même. Voilà, incroyable, je suis là. Très content. C'est incroyable. Je suis sûr que je me suis acquitté pour prendre le rôle. Hein. Moi, je suis arrivé en ville après la tempête de 7h du matin. Ah. Oula. Et sinon, t'es de l'avant. C'est 10 040. Parce que 2X, ça fait. Enfin, le... Non, mais le L, il est après les X. Ça pose toujours pas, monsieur Kazinski. Son téléphone. Oui, non, mais pour moi, ça fait 25 ans. Bah non. 2000. Un X devant un X, ça compte 10 000. Non. Et si. Un X devant un quoi ? X, devant... X, ça fait 20 au chiffre romain. Oui, mais non. Oui. Bah, on va dire ça fait 2050 alors. Est-ce que t'as jamais vu pareil, un L et un L ou un. Tu vois ? Bah, les L, ça veut dire 50. Oui, mais un X, avant un X, c'est considéré comme 10 000. Donc en fait, tu fais 10 000 mais plus non. Le X et le L. Mais si. Non. Et bah, allez voir sur internet. 10 000, c'est sur internet. 10 fois M. 10 fois M. Allez voir sur internet. Après, moi, le latin, ça fait un peu longtemps. J'ai été à l'école, vous savez, mais ça remonte à. Ah, oh bah voilà. J'ai pas fait le latin. À l'époque où on disait ça, c'était jadis. Latinum, latines, latéron. J'ai jamais été à l'école. Ah. J'ai toujours baigné dans les voitures. Ah, c'est un hélicoptère. Inspecteur Gadgetter. Ah, le jour se lève. Ça me fait plaisir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand le jour se lève, mouche qui pète. Hein. Eh bien, bonjour. Qui se lève, mouche qui pète. Hein. Ma jolie Jojo, ah, coucou, comment il va? Ça va, ma Jojo? Bah, ça va, et toi, mon canari des îles? Voilà la conquête. Ça va, ma petite pergola? J'ai une histoire. Bonjour, monsieur Campos, comment allez-vous? 22. Bah, très bien, et vous? Oui, bonjour, monsieur Tom, vous allez bien? Oui, 22. Ça va, j'ai une petite histoire drôle. Oui, allez, on y va. Ah, pardon, excusez-moi. Bisous, ma Jojo, je suis débordé. Bisous, mon loulou. La conquête de Jojo. Une petite histoire drôle, ça vous dit? Moi, ouais. Ouais, je veux savoir. Que dit un suppositoire à une fusée ? Ça boum. Alors ? Ça pue là-dedans. Ça boum. Non, le suppositoire dit. Le suppositoire dit. Attendez. La boum. Le suppositoire dit. Laissez-moi finir. Le suppositoire, ouais. Il dit. T'as de la chance d'aller dans les étoiles, toi. Moi, je vais aller dans ton rond, hein. Bah, je sais pas, faut c'est voir. C'est très bizarre comme blague. C'est bizarre, blague pour un monsieur le maire. Mais écoutez, je suis candidat, je suis pas. C'est très correct. Non, le suppositoire, oui, je crois que c'est. Oui. Hein. C'est son programme. Oui, c'est son programme. Ouais. Tout dans l'oignon. Carrément. Au fait, monsieur Campos, je vous ai donné mon flyer. Oui, je l'ai déjà eu, oui. Ah oui, bah, c'est vrai. Tout le monde l'a eu. Une partie à la cheminée. Non, pas moi, j'ai eu aucun flyer. Il en a fait une fusée. Bah, écoutez,
Il n'est pas trop tard, le vote finit dans 5 minutes. Oui, mais j'ai déjà voté. Ah bah c'est pas grave. Vous en voulez un ou pas? Bah oui, pourquoi pas. Attendez. Bon, on va falloir courant, tu es 25, non? Non, non, c'est à 45. C'est à 45. Ah oui. Ça ouvre à 30 et 45 résultats. D'accord. Ok, bah on n'a pas tous les mêmes horaires, ce que je vois. C'est bon, vous l'avez eu? Alors oui. Je savais pas que vous pouviez donner quelque chose dans, directement dans votre dos. Ah bah écoutez, non, je sais pas, moi je suis assez souple. J'avais rendez-vous avec elle, je sais pas où elle est. Abraham Lincoln. Qui ça? Bah Lina. Ah, je sais pas, tout à l'heure les petits... Ah, c'est pour ça qu'elle a dû avoir un souci. Monsieur Campos? Oui. On va pas dire que je vais vous donner la main et on rentre ensemble. Non. Mais on va rentrer ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Côte à côte, comme deux camarades. Oui. Oh, pourquoi pas en faisant des petits sauts en vous tenant la main. Non, comme les petites copines. Et en chantant, je suis content, c'est le printemps. Mais oui. Je peux pas m'en dresser. Non, on se rend maintenant, je suis dans la tête. Écoutez, eh oh, pas cette chanson. Jojo. Oui. Je suis un peu nerveux ce soir. Oui, bah c'est ce que je vois, t'es tout pâle. Bah oui, j'ai rien mangé depuis deux jours. Depuis ce matin. Tu veux quelque chose? Et je vous ai donné un truc à manger. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu un hamburger. Incroyable. Mais ça, j'ai pas encore digéré. Tu veux un menu? J'ai un menu de burger shot d'ailleurs, ils sont super bons, ceux comme plus. Si vous voulez, dans le camion, j'ai de quoi nourrir un régiment. Un régiment carrément? Bah, quand on a 121, un petit jouet. Vous avez dit quoi? Il y a une chance sur 10 000, mais. J'ai 121 croissants au fromage, j'ai des plats de pâtes, j'ai des sandwichs, j'ai presque. Mais pourquoi vous avez tout ça? Donc, c'est vous qui videz la totalité des super-héros de la ville. Très bien. Alors, non, pas du tout. Pas de chance. Parce que aujourd'hui, j'y suis allé, j'ai juste récupéré des bouteilles d'eau, mais ça faisait une semaine que j'étais pas retourné parce que j'allais exclusivement à la pizzeria. Et hier, j'ai testé le burger shot et j'y retournerai. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Vous avez maintenant le. Je pense que ceux qui vivent des supérettes, c'est mon entreprise, parce que dans le stockage, il y en a 36 000 trucs. Hein. Excusez-moi. Ouais, il y a trop de trucs. Bon, bah, je pense savoir qui faisait ça alors. Et nous, on a plein de café chez nous. Le café? Ouais, les cafés en soi, ça va, c'est pas ce qui se consomme le plus en ville. Je vous montrerai si vous passez. Oui, non, mais je vous crois, mais je pense savoir qui de vos employés faisait ça. C'était pas l'ancien. PDG? Non, c'est pas tenté. L'autre là qui s'est fait virer. Mickaël? Ouais. Moi je sais pas du tout. En vrai, je m'en fiche un peu parce que j'y vais jamais, mais bon. Oui, mais bon, au moins ça vous fait de la bouffe. Mais c'est surtout parce que ça va pourrir, ça va me ramener des rats, quoi. Bah oui. Bah, donner au SDF de la ville? Bah ouais, c'est ce que j'ai pensé. Je donne aux gens des minis, je vais faire une annonce sur Twitter. Ouais, je vous regarde. Vous pouvez donner à l'église aussi, elle s'en chargera de distribuer. Ah oui, ça me dérange pas, tiens, si vous voulez un don, tiens. Peut-être pas maintenant. Oui, non, mais j'ai compris. Attention, il va dire une annonce. Le procureur. Attendez, je regarde monsieur le procureur de près. Pourquoi j'ai fait là ma tête? Vous êtes beau. Ah, je zoome bien, là. Respect, monsieur le procureur. Je vois même pas de crotte de nez. Allez, plus fort, monsieur le procureur. Vous allez pouvoir rentrer si vous voulez. Ah, ça, c'est bien, ça. Oh, merveilleux. Allez, monsieur Campos, on laisse les deux. Bah oui, non, on va rentrer en dernier. Premier. Comme ça, s'il y a une bombe, vous pétez en premier. Allez. Ah oui, d'accord. Non, en dernier, comme les jeunes mariés. Bon, bah, je passe en premier vu que je suis la seule femme. Allez, je suis Jojo. Voilà. Moi, je suis moi. Ah bah, suivez-vous. Là, je suis panique. On fouille ou pas? Ah oui. Madame Josiane, suivez-moi. Voilà. Hop, alors venez, on va se mettre juste ici, messieurs. Hop, je vais vous mettre en ligne, s'il vous plaît. Hop, je vais vous demander de lever les mains et de vous tourner, s'il vous plaît, monsieur. Oh, c'est pas une fouille, hein? Doucement, quand même, monsieur. Il a pas de gants, c'est bon. D'accord. Alors monsieur, il va falloir les déposer votre couteau, s'il vous plaît. Je peux vous le donner? On me le rend plus tard. Alors ça va être compliqué, monsieur. Il faudra aller les déposer. Ils ont pas de véhicule. Donnez-moi le. Avec mon permis port d'armes, du coup, ça ramène des couteaux.
Merci. Et avec le monsieur, couteau. Ouais, j'avais que le couteau, ouais. Hop, je laisse également lever les mains de. Normalement, j'en ai un sur moi. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est par où, tiens? C'est par là? Venez, venez, venez. D'accord, merci. Oh, ça vous va bien le képi comme ouais, ça? Ouais, c'est. Ça fait classe. C'est charmant. Et bonjour, allez, allez. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Mais, on va prendre. Oh, il va passer mes fesses là? Mais ça aurait été fait. Coucou. Mettez vos téléphones en mode avion, hein. N'oubliez pas. Oui. C'est bien, on colle radio aussi. Mais elle est... Pourquoi? Je t'entends. Il crie, mon Dieu, quelqu'un me crie. N'oublie pas de leur préciser pour le mode avion du téléphone. Voilà, on prendra une plus vieille. Oh, il y en a d'autres, hein, vous inquiétez pas. Et puis vous êtes tout jeune, vous êtes encore tout pimpant. Si ça sonne pendant le discours, mon Dieu, les oreilles. Ah, vous savez, c'est les oreilles de tout le monde. Ma Jojo, elle est école toujours présent aux événements. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être. Ozzy est pas là ? Oui, oui. J'y pense. Ah, bah c'est très gentil. J'ai les places. Je suis l'équipe. Hein. Oui. C'est vrai ? Oh bah, il s'en fout. Josiane, calme-toi. Mais je fais coucou, je l'ai pas vu depuis 2 jours. Ah oui, je. Mais pourquoi pas l'huile de tournesol? Bon bah tant pis, bah il ira se faire foutre. J'ai occupé. M'en fous. Sois pas ronchon, Josiane, après ça va faire péter les rides. Oh, ouais. Toi, je vais te goumer. Pourquoi j'attends de l'eau là? Il y a une fuite d'eau dans la mairie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une fuite d'eau, quoi? C'est un peu la porte ouverte. Qu'en pense qu'il pense à touche? Ma Jojo, c'est pas que je t'aime pas, mais t'as une grande gueule, je t'entends de là. Hein. Toi aussi, oh hein. T'as de la chance que je viens pas te la fermer, hein. On se calme, on se calme. Je vais vous demander de baisser un peu le ton, s'il vous plaît, dans le tribunal, merci. T'as vu, Josiane, comment tu fous la merde? Joël, bien, on l'entend aussi de là. J'avais changé mes cordes vocales. Ouais, je vois. Tu changes ta corde vocale. D'accord. Je veux dire, c'est laquelle corde vocale? Ça enlève ma casquette. Remets ta casquette. C'est, tu m'entends? Oui. C'est la corde vocale cycle proximité. Ça y est, ça va. On va devoir patienter pendant 10 minutes là. Ouais. Ouais.
Vers de la merde là. Pas lui. Ta gueule. Ah bah, te voilà aussi. Bah ouais. Je savais pas si t'allais venir. Bah bravo. Là, la collection de bikers. Chaîne de bikers. La Francis, il a pris un peu du ventre. Hein. Il y a beaucoup, Francis. Ça dépend, ouais. Ça dépasse. Ouais, c'est vrai. Hein. La ceinture, elle va lâcher. Hein. Ouais. On va l'appeler cuisto dingue. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente Tom Kazanski. Téléphone en mode. C'est qui le téléphone? Ouais, c'est même pas nous. Comment on fait pour les mettre en mode avion? Vous slidez en haut, vous allez sur le mode. Vous allez sur l'avion. Mode. Et voilà. Francis, c'est mon Dieu. Du coup, je pense que c'est vrai qu'il y a pris du ventre. Alex et Tom, ouais. Vous pouvez vous mettre devant, je pense. On va attendre, parce qu'apparemment, c'est le putain. Gouverneur adjoint qui doit nous placer. Donc, Ça, c'est le burger shot qui est ouvert. Non, mais c'est ça, mais il faut arrêter de faire des burgers et des pizzas. Hein. Je vais mettre en mode burger. Ouais. Ouais. Manger un peu plus de salade. Hein. Ça veut pas descendre. En feuille, ça me suffirait. Private mode par rapport à mode avion. Si les gens ils te voient pas que ton numéro quand tu les appelles. Ah ok. En mode masqué un peu. Ah, il y a bien. J'ai trouvé à l'entrée. Oula. Ah bah, y en a déjà deux. J'arrive. Ouais. J'ai sauté d'un rang. Qu'est-ce qu'il fout? J'essaie de repasser devant en fait parce que quand j'ai mangé le burger j'ai sauté d'un rang donc c'est pas fou. Les pieds sur la table. Ma faute, hein. Vas-y, on se sert comme ça, on peut en mettre 3 là. Oh là là! Alors, pas j'ai les yeux dans le cul! Pardon? Lequel? Petit problème, j'ai les yeux dans le cul. Mieux. Tu vois, la prochaine fois, je décale. Oh, t'inquiète. Valentina, je touche pas à ton téléphone. Oh merde. Ouais, j'ai non mais c'est pas ça. Je marque là. Chut. Non, t'as pas eu de nouvelles de Lina? Non. Lina, il me semble qu'elle peut pas être là ce soir. Arrête de manger plus de salade. Je dis de manger plus de salade. C'est nécessaire. Ah super, pardon.
ici, tu te débrouilles mieux avec des burgers. Hein. Mon gros lardon. Il faut arrêter de piétiner derrière moi là. On t'emmerde. Nick qui fait craquer ses grosses fesses. J'ai l'impression d'avoir un troupeau de vaches derrière nous. Bonsoir. 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 Il y a déjà du monde, hein. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, il a marchandise. Laisse-moi tranquille. Quoi, les autres, là ? Inspecteur Gadget. Qu'est-ce qu'il fait, ce fils de pute ? Ça, c'est... Il a fini de regarder avec tes jumelles. Ah, d'accord. Comme ça ? La passe à gauche. Oui. Pas trop d'égiviennes, tu vas t'envoler. Ça se fait enlever. Non, j'ai mieux. C'est mieux, attends, je t'envoie rien sur SMS du coup. Je t'envoie un truc sur intranet, du coup, attends. Mesdames et messieurs, je tenais à vous remercier pour votre patience. D'ici une minute, nous annonçons le résultat. On attend encore quelques personnes qui sont à l'extérieur et on va pouvoir commencer. Si vous avez faim et soif, n'hésitez pas à demander aux agents s'ils ont quelque chose sur eux. Je suis pas sûr qu'ils nous entendent d'ici. Hein. Ici, on entend très bien. J'ai un haut-parleur, si vous voulez. Bonne question. Ça tombe bien, les points à l'intérieur. On entend très bien, vous inquiétez pas. Non, monsieur. On entend de loin, ouais. Ça. Ah, putain. Je viens pour le... Vous pouvez réitérer, s'il vous plaît. Vous êtes repartis, les deux, là. Grouillez-vous, parce que ça va être maintenant, là. Le hardi, le garde du corps du gouvernement. Adjoint. Il y en a un qui hyperventile, là. Ouais. Il va tomber, hein. Il va nous faire une... Désolé qu'on prenne ça. Pense à Josiane, pense à Josiane. Ah, tu vas nous le faire clapser. Vous avez pas des EMS dans le coin ? J'ai oublié
Bartoline. Si c'est lui qu'on a en merde, bah putain, on est pas fini. Il va pas rester longtemps, je crois. Ouais, je crois que c'était un mariage, moi. Ah merde. Hein. Bah ouais, je pense qu'il est élu maire, il clame dans la seconde qui suit. Nous sommes désolés, il y a encore du monde à l'entrée. Je vais vous demander de patienter encore 5 minutes. Faites-nous pas trop patienter parce qu'il va nous lâcher. Oh merde. Oh putain. What? La putain, il y a le bordel dehors là. Non, faudrait prendre un haut-parleur. Que. Un mégaphone, pardon. Tout le monde va rester calme. On va patienter encore 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a besoin de boire, de manger ? Non, non, c'est bon. Mon Dieu, mon Dieu. Vie de ma mère, c'est bordel. Hein. Ah ouais ? Ah, y avait des trucs dehors, là ? Des canons, comme moi ? Oh mon Dieu. Ça va pas être possible. Mon fils il m'a dit qu'il va demander des salades au burger pour maigrir. Ah bah, t'as raison. Je propose qu'on déplace l'effectif. Toi, il va ajouter. Devant, moi, je vais devant l'autre porte. Pardon ? Il va ajouter des salades dans le burger. Ouais, plus de salades pour maigrir. Ah mais non, mais ça marchera pas. Messieurs, dames, nous vous demandons de patienter, je vous remercie. Et oui, il demandera de ne pas bouger de la salle. Et c'est quoi les tirs qu'on entend ? J'ai mes fesses. Il y a quelques complications à l'extérieur du bâtiment, apparemment, donc pour votre sécurité, je vous demandais de rester tous assis correctement. Mais si j'ai besoin de faire une couleur. Bah, c'est facile à dire. Pas paniquer, ouais. J'ai pas mis de couche. Hein. Restez assis, s'il vous plaît. Et coucou. Désolé. Coucou. J'avoue que je sais pas ce qui se passe, mais je suis pas bien. Il n'y a rien, mais à droite, il y a le coup. Ouais. On est cool, hein. Ouais, bah. Non, moi, pas très cool, hein. De toute manière, je vois rester quelqu'un ce soir. On est en sécurité, je fais confiance. Non. Oui, je préfère peut-être rester ici à l'intérieur. Nous sommes entre de bonnes mains. Le principal, c'est que les citoyens soient en sécurité. Et que notre candidat reste en vie. Oui. Ça va être le mandat le plus court de l'histoire, peut-être. Il aurait dû passer un bilan médical avant. La tuberculose. Oh, le bordel de l'organisation. Ah, c'est les bronches, hein. C'est pas le cœur, hein. Francis, il a l'air tout petit, la pupitre. On le voit même plus, quoi. Je dois lui faire pipi. On fait sur la moquette. Du coup, fais sur la moquette, c'est pas grave. D'accord. Personne ne me regarde. Hein. Promis. Oui. Oula. Voilà. Oh putain. Le téléphone, s'il vous plaît. Le téléphone. 30 secondes. Allô. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Allô. Je raccroche. Je peux pas parler là. Je peux pas parler, fils de pute. Le langage. Eh, mais excusez, il force tout le temps là. Il lui dira tout si c'est ton amant. Oui, c'est bon, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il est pour Francis ? Bah, il en manque un là. Parti où ? Il a claqué. Il est en train de taper un malaise, mais ils sont tous en train de regarder comment les fonctionnent.
J'avoue, il y en a un qui a disparu là. Corbus, il est resté là, mais l'autre, il est où? Ah bah, c'est bon, c'est fini. Ah, voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'eau ou quoi que ce soit? J'ai cru qu'il avait dit autre chose. Hein. Moi j'ai des burgers s'il faut. J'ai entendu autre chose clairement. Des marqueurs? J'ai des burgers sur moi, ouais. Moi j'ai besoin d'amour. Des burgers. Ah t'as Francis? Bah ouais, appelle ton ami. Si t'as les serviettes de table pour dessiner dessus, je veux bien. Tu veux envoyer. Écoute, à toi de m'en faire. Mais la il y a une fuite d'eau là. Josiane, calme-toi, tu coules. Bon, moi je tolère pas le manque de respect. Voilà. Hein. Je manque jamais de respect. Tu vas faire pipi. Il y aura une fuite d'eau. Mais en fait, c'est parce que j'ai le bruit de l'eau juste à côté, ça me casse les oreilles. Mais Josiane, mets un tampon 3 gouttes la prochaine fois. Hein. Là, c'était plus 3 gouttes, hein, putain, c'était un geyser. Vous êtes pas gentil avec moi. Oui. Oh, c'est parce qu'on t'aime. Restez ici. C'est de la mouvage. J'ai vos pieds. Bon. Reste là, Jojo. Mais non, je peux pas, y aller. On entend l'eau juste là, de ouf. Viens par là. Mais rasseyez-vous. Bah oui, bah je vais me rasseoir, ça va. Moi le temps de me lever. Je demande au président rajouter des coussins sur les bancs. Merci. Il n'y en a plus qu'un, c'est bon l'autre. Michel est parti derrière. Non, j'espère que tu vas bien. Mais c'est vrai qu'on je sais pas où il est parti. Je pense qu'il est parti se calmer à cause du stress. Comment ça pousser très très fort. Il devait sortir. Bah si là, tu me parles. Non non là, je ça, ouais je pas. Regarde ceux qui sortent. Je demande un peu de silence, ouais, s'il vous plaît. Merci. Ou essayez de chuchoter. Ah, pardon, j'ai fait tomber. Désolé. Merci. Messieurs les agents, il y a le deuxième candidat. Je te parle. Deuxième candidat. Ce 22 reste pas juste devant la porte, ils ont des explosifs. Ah super, des explosions. Oh, c'est pas grave, il y a Josiane derrière. On fait quoi 17? Il faut pas paniquer. Bonjour 22. Je pense que ce serait mieux. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous allez nous suivre. Merci de nous suivre, s'il vous plaît, on a un petit souci. Voilà, venez vous mettre en sécurité. On va avoir des chaises plus confortables. Les gens, bah, oui. Courez pas, s'il vous plaît, pas de panique. Moi, la paix. Pardon, madame qui trouve ma bagnole moche. Venez de l'autre côté, venez de côté gauche. Toutes les personnes qui sont citoyens, allez du côté gauche là-bas, s'il vous plaît. Et les patrons, c'est là. Et toutes les personnes du gouvernement avec moi sur la droite. Et les patrons. C'est les citoyens. Merde. Les riches, c'est par là. Nous, on est des riches. Nous sommes en train de rassembler les gens dans les salles pour fermer les portes. Oh là, c'est les sardines ici. D'un côté, oh là, les citoyens et de l'autre côté, les membres du gouvernement. C'est la mafia, ça encore, comme par hasard. Je suis pas sûr que ce soit des feux d'artifice. Hein. Non, non, ça, c'est la mafia. On est en sécurité ici, donc. Voilà, vous êtes tous en sécurité, vous inquiétez pas, je veille à votre protection à tous. Ah bah super. Ah, monsieur y a peur. Ah, ça va aller, monsieur. Il y a un professionnel avec nous. Je me suis fait tirer dessus, va tirer, j'apprends. Mais non, ne paniquez pas, je suis un professionnel, je fais ça depuis des années. Des situations comme ça, ah ouais, nous putain, la fenêtre. Vécu maintes et maintes fois, vous savez, Olet Pidi, nous sommes formés pour. Oui, combien de vivants pour combien de morts? 22 en position. Moi aussi, j'en ai vécu maintes et maintes fois, alors que je suis juste pécano, c'est normal. On est 20, c'est trop cher, c'est pour ça. Mais non, c'est... Ah non, faut être 22. Il y a moyen de fermer cette porte là? Bah non. Mais monsieur, vous êtes assis... Là, vous avez... Oh,
Vous êtes très doué. Ah bah je sais pas où c'est en haut moi. Comment mais c'est plus sécurisé en haut. Ouais mais c'est dangereux de passer par l'entrée moi je trouve. Hein. Ils arrivent par ici apparemment. Ah. J'ai pas trop envie de rester là moi. Moi non plus j'aurais dû rester mon auto-école moi. Ils font un tout droit et ils sont à côté de nous quoi. À 22, je suis dans la pièce. Je vais me cacher là-bas. Il y a 54 qui est dans la pièce avec 17 et 13 côté gouvernement. Bon, bah, moi je vais prier. Hein. Ah, il y a un tweet. Ah ouais. Il dit qu'il faudrait un policier qui sorte négocier. On peut envoyer 22. Nous sommes en danger. Ah. Ne paniquez pas, vous inquiétez oui, pas, ne paniquez pas. Je vois bien, on s'occupe de l'affaire. Nous sommes l'élite du LS Midi, je vous le rappelle. Ça, c'est la mafia. Mais... Quelqu'un a faim ? Non, merci. Non, madame du Burger Shot, merci beaucoup. Il y a vraiment le stand de bouffe, c'est Lexi, quoi. J'ai vu un monsieur au Burger Shot. D'ailleurs, j'ai pris deux menus, j'ai pas eu de jouer, c'est de la mec. Ouais, je suis dégoûté, j'ai vu les 5 menus que j'avais. Il y a un mec qui est tombé dans... T'es où ? Putain, il a fait un malaise. Je crois qu'il va pas bien. Bah oui, t'entends, t'es où ? Monsieur Pando, il y a un monsieur qui a fait un malaise. Bah, je suis dedans. On a un malaise. Poussez-vous. Bah, pousse-toi avec ton téléphone, toi, tu les marches dessus. Monsieur, comment ça va ? Ouais, va aller chercher. Bah, c'est pas un problème. Attends, je vais chercher ma batte et je vais jouer au baseball. Mettez-lui des claques, ça va le réveiller. Ah putain, ça va bien ? Eh, alors pourquoi tu m'appelles à moi ? Surtout, n'hésitez pas à paniquer, tout se passe mal. Ok. Il serait capable de recruter. D'accord. Tire-lui dessus, 22. Oui, mais attendez, l'inspecteur gadget, il a pas un gadget au point ? Non. On va peut-être le réveiller. Oui, doucement. Ouais, mais en tout prix, à l'entrée. Oui, je demande s'il y a un docteur dans la salle, oui. Putain, ça marche pas, j'ai essayé. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle, non ? Quelqu'un a son SST ? Moi, je l'ai. Ouais, monsieur 22, je suis... Monsieur. Mesdames et messieurs, nous allons vous déplacer dans une salle plus sécurisée que ça. Ah ouais bah chef, on va Gogo Gadget aura le cul. Le truc, là. Que vous m'attendez, monsieur. Monsieur. Oui, je vais regarder. Je vais regarder. Allez-y, suivez mon collègue, je m'occupe de lui, monsieur. Ah bah, écoutez, j'ai pour ordre de les déplacer. Ah bah, vite, avant que ça se passe mal. Hein. Personne ne sort. Allez, on se dépêche. On suit mon collègue. Besoin d'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Ouais, pire charme. Gogo Gadget au coup de pied dans la porte. On y va ? Nous avons besoin de quelqu'un pour ouvrir la porte. Ah, on va voir le gouvernement, c'est le gouvernement qui ouvre la porte. Putain, c'est une sacrée porte quand même. Elle est solide, les portes. Hein. Ah ouais, j'ai mis un Gogo Gadget au coup de pied, ça marche pas. Ah ouais, non, mais mettez pas des coups de pied dans la porte, vous avez payé les dégradations. Hein. Voilà, on va aller vous mettre en haut, ce serait plus sécurisé en haut. S'ils mettent une bombe et que ça s'écroule, on sera pas plus sécurisé en haut. Non, mais vous inquiétez pas. C'était mon idée encore, ça, de venir ici en plus. Oh. Ah bah c'est sympa, hein, vous voyez, c'est une bonne ambiance. Ouais, c'est hein. Super. J'ai pas trop le temps, moi. Du coup, c'est qui le maire ? Ah bah moi non plus, moi. Bon, ça va être Campos. Bah, si vous n'avez pas le temps, allez dehors. Hein. Je vois rien, moi, les enfants, je vous préviens. Ah bah, il y a pas les drôles, là. Vas-y. 54, oui, il faut qu'on ouvre la porte, là. Oui, un instant, j'ai dit. Pas tout le monde en même temps. De me mettre, droit, 54 passe devant pour sécuriser. Ah, c'est bon. Attendez, messieurs, attendez. On passe devant. On attend là. On fait passer que par groupe. On fait passer que par groupe. Avancez quoi ? Ah, oui. Allez-y, on fait passer que par groupe. Allez, on passe. Poussez-vous. Elle est pas ouverte celle-là. Non. Plus que 5. Ah, vous me voyez pas ? Bah, non, je te vois pas. Trop nombreux là. Je vous vois, moi, tout va bien. Ah, si, j'ai réapparu, c'est bon. Je le vois toujours pas, moi. C'est moi, c'est de moins en moins sécurisé. Allez, on y va, vite, on monte. Il y a une bombe là-dedans et c'est fini. Hein. Bah, pas besoin, je vous bousculez pas. Avancez. Elle a juste pensé monter. Allez, courez, on y va, go. Là. Allez. Allez-y. Quelle idée de venir ici. Attendez, on va sur les bureaux là. Alors, quel bureau là ? Ouais, mettez-vous dans ce bureau là, c'est bien. Il n'y a pas de MS hein ? Non, pas encore, non, ils sont à l'extérieur alors. Voilà, touchez pas aux papiers, hein, et aux cigares et aux impôts. Hein.
Ah, mais c'est là que monsieur le maire, il m'avait pris sur le bureau. Ah, du coup, on est tous ce maire. Mais Josiane. Ah, oui. Je vais faire une sieste, les enfants. Je suis désolé, je reviens. Hein. Attention, pardon, excusez-moi. Ça va, Francis ne me relève pas, donc... On veut pas avoir... C'est qu'il était d'accord. Excusez-moi, pardonnez-vous. Tout va bien, tout le monde est bien, bon, bah, voilà, ça va. Ça va, monsieur? Non, je me sentirais mieux si j'avais un pistolet, mais... Ah, c'est pour ça. Et c'est fermé, là, alors, du coup? On est enfermé, là, ou... Non, on n'est pas enfermé. Ah, super. On les ferme, pas, parce que s'il faut évacuer... Mais là... Bon, normalement, là, dans les clubs, il y a toujours de l'alcool, normalement. Vous entendez bien à travers les portes, hein? Hein? Non, je parlais à mon collègue. Je parlais à mon collègue qui demandait si on fermait les portes. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui vient, je le dégomme. C'est quelqu'un qui vient... Jojo, pas contente. Si on frappe tous ensemble, ça devrait le faire. On va tous se frapper entre nous, ouais. L'attentat sera entre nous. On va tous mourir. Mais non. Lexi, protège-moi dans tes bonichons. Bah, ça serait plutôt moi dans ton cul que j'aime bien qu'on me vienne protéger. Oula, 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 oula. Lexi, ah, il est pas là, oui, ton mec? Non, non, lui, tu vois, il est allé ranger son marteau-piqueur dans sa moto, tu vois. C'est quand même bizarre qu'il devait être là, il est Nathan, bonjour, mais il est pas là. Oui, tu vois. Et il a entendu les tirs, il m'a dit, et il a reculé, du coup. J'ai un appel de Dante. Il s'inquiète parce qu'il sait que c'est où c'est. Oh, je vais pas m'adresser à la côté de la porte, moi, je suis désolé. Mais... On peut passer des appels ou... Non. Ah, ça tire encore. Oh oui, super, feu d'artifice. Ah, pourquoi on sort pas dehors pour les regarder alors? Non, parce que il y en a, ils sont tirés un peu de travers des feux d'artifice et ça pourrait vous mettre en danger. Donc ça a été mal foutu encore, donc l'organisation. Hein, c'est un peu menteur, t'as pas vu Twitter, Francis? 22. Ça va, ouais, non, je suis là pour faire rassurer les gens, il y a des coups de feu alors de. Allô? Oui, bah, t'es vachement discret, Francis. Surtout, ouais, t'approches pas la mairie. Bah ça, c'est un peu de mal tourné. Par contre, dis-moi, tu n'avais pas retrouvé mon arme par hasard dans ton école? Non, parce que là, j'aurais une arme, j'aurais été content, tu vois. Ouais, bah mon arme a disparu mystérieusement. Elle était dans ma voiture. Et j'aurais peut-être pu la faire tomber, tu vois. Ou... Et bah, elle a disparu. J'ai fait un petit papillon et pour l'instant, pas de réponse. J'ai appelé l'officier Jenkins, il m'a répondu une première fois, il m'a dit de faire un papillon. Alors, vu que les feux d'artifice sont un peu mal tirés, si j'en avais une autre à un moment, je vous demanderai de vous décaler des vitres. Monsieur Jacques, décalez-vous des vitres, c'est dangereux. Bon. Bah écoute, pour l'instant, à mon avis, ils seront pas dispo. Vite au moins pour prévenir les gens qui ne viennent pas à la mairie. D'accord. Faites une petite ronde, asseyez-vous. Écoute, parce que là, c'est vraiment. C'est vraiment tendu à la mairie. Nous avons tous nos collègues à l'extérieur qui font le nécessaire. C'est qui a été élu? Je sais, on va jouer au loup. Bah, on n'a pas eu le temps de le savoir puisque c'est parti en steak. Non, mais l'autre avec son téléphone là, c'est lui qui dit à chaque fois où on est. Mais pour le cas, on joue au une autre. Je suis dégoûté, j'ai fouillé toutes mes voitures, j'ai tout rapatrié, j'en ai eu pour. Près de 60 000 dollars de rapatriement et de réexpédition, et aucune voiture, il y a mon arme. Là, on est possiblement en danger de mort. Mais y en a... Tous mes efforts. Regarde Twitter, tu comprendras. Vas-y, je te laisse. Ok, à toutes, rentre sur le continent. J'ai envie de faire pipi. Je viens, je suis dans ta couche. Allez, on joue avec le Lulu. Pas sortir, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas possible, monsieur. Malheureusement, toutes les portes sont fermées, tout le secteur est bouclé. Là. Ah, d'accord. Combien de temps? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'information. Ah, comment je vais faire? Je vais faire pipi dans le pot, hein. Fais dans le pot, Josiane. Fais dans le pot. Viens, madame Jojo. Mais ça fait déjà une heure que je vois. Dans le saut, au fond de la pièce. 54. Va dans le saut. T'as vu la photo sur Twitter? Attendez, je vais regarder. Range ton arme d'abord, parce que c'est dangereux. Occupez-vous de madame Jojo qui va faire pipi. Viens, va dans le seau au fond de la pièce. Faire pipi depuis tout à l'heure. Ah bon? Il y a un seau là-bas, regarde, au fond de la pièce. Je suis pas pissé dans tout le monde. Dans bah oh, bah, tu te retournes et tu te mets debout. Tout le monde se retourne. Tout le monde se retourne, allez, regardez pas. Regardez vos téléphones, regardez pas Josiane qui fait pipi. Non, tu nettoies pas derrière. Faut se retenir, moi, Jojo, faut se retenir. Bah, je vais faire pipi. Je veux que tout le monde se mette le visage contre le mur, s'il vous plaît. Mais Manu, il faut pas qu'on se mette contre les fenêtres. S'il vous plaît. Mais non, vous inquiétez pas. Non, mais s'il vous plaît, par là. Oh là 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 là. Allez, on se retourne. J'ai pas vu que vous voyez ma couche. Ah, ça va. Une foufoune, t'es une foufoune, hein.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est magnifique. C'est hard, quand même. Ah, mais c'est Bertrand. On va pisser, là. Oui, bon, ça va, c'est bon, j'y vais. Et c'est là qu'il y a son homme qui rentre. Regardez pas, hein. Non. Un, deux, trois, soleil. Moi, il y en a un qui regarde, hein. Je me suis avec quoi, moi? Je prends avec les feuilles. Ah ouais, prends les feuilles. On les factures de toutes les sociétés, là. Et voir les devis. Tiens, le bonnet. Mais ils sont pas là, tiens, eux. Plus de taxes. Voilà, c'est bon. Ouais, je sais pas où ils sont. Mais dis, mes gentlemen, vous pouvez partir. On y va, main dans la main, on y va, on sort. Je me suis pas lavé les mains. Me touchez pas les mains. Mais on s'en va, du coup. Je vais m'occuper du monsieur qui était pas bien là, il est où? On descend? On va où? D'accord.